President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. And the floor is now given to la the defense for Mr. Kyusumpon to put questions à la to the civil party. Pour interroger la you partie may civile. Now proceed. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à Thank tous. You, Mr. Bonjour President. À Madame la Partie civile. Je m'appelle Anta Guissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Kyusumpon. C'est à ce titre que je vais vous poser des questions complémentaires. Et à titre de suivi par rapport aux premières questions qui vous ont été posées par Monsieur le juge Lavergne, je voudrais revoir avec vous la chronologie que vous avez évoquée. Vous êtes arrivé à Phnom Penh après le 17 avril ou un petit peu après le 17 avril 75 et vous avez eu différentes affectations. And you were assigned to vous avez indiqué que vous avez vu à Phnom Penh you had different assignments, que son pan à deux reprises. Alors vous avez donné une première version en indiquant qu'une première fois c'était à Watunalom et une deuxième fois à Borakila. Et puis dans un deuxième temps, hier à 15h03, vous avez rectifié en expliquant que vous étiez trompé et que c'était en 75, mais que la deuxième fois vous l'avez rencontré, c'était à la pagode Unalom, et que la première fois, donc, c'était au stade de Borakila. Est-ce que vous confirmez ce point et est-ce que j'ai bien compris votre déposition? What do you want me to answer your question? I do not really get it. Je n'ai pas bien compris votre question. Elle était effectivement un peu longue, je vais essayer yes, de it was de a bit long, I admit. I will try vous êtes arrivé à Phnom Penh le 17 avril 75 ou un petit peu après le 17 avril 75. Est-ce que j'ai bien compris? Did I understand that correctly? I entered Phnom Penh after 17 April 1975, a bit long after 17 April 1975. In fact, I entered Phnom Penh in April 1975, but I do not know how many days after the 17. Mais je ne sais pas combien de jours après le 17. Il n'y a pas de souci. Avril 75, c'est un bon point de départ pour se repérer. Vous avez indiqué donc hier, vous corrigeant sur une première déclaration, hier à 15h03, je vous cite, vous avez indiqué, en parlant de Kyusumpon, je l'ai rencontré pour la première fois au stade de Borakila, c'était en 1975. Je me suis trompé tout à l'heure. La deuxième fois où je l'ai rencontré, c'était à la pagode de Unalom, où il présidait une conférence destinée aux jeunes hommes et aux femmes ce jour-là. Cette conférence a duré toute la journée. Fin de citation. Ma première question pour essayer de vous repérer, est-ce que vous vous souvenez combien de temps après votre arrivée à Phnom Penh vous vous êtes marié? How long after your arrival in Phnom Penh you got married? I do not recall the day, the month, and the year. I cannot recall whether it was in 1975 or 1976. As I said, I was not good at remembering the date while I was in Phnom Penh in the Khmer Rouge time. Lorsque j'étais à Phnom Penh sous le régime des Khmer Rouge. Dans votre déclaration, votre premier formulaire d'information de victime, document E3. Document E3-319/45.4.8. Donc c'est un document, c'est le premier formulaire que vous avez rempli pour être parti à la procédure, qui date du 14 octobre 2009, donc peut-être un peu plus, vous aviez les souvenirs un peu plus frais.
Vous avez indiqué ceci, et je cite en anglais l'ERN 011-39-644, ERN en Khmer 010-4-9-3-7-9. Et pour cette partie, il n'y a pas de traduction en français. Et vous évoquez votre arrivée en 1975 à Phnom Penh, et vous dites ceci en anglais. After 6 months après 6 mois of working there, de travail à cet endroit, they arranged for me to get married to Sachin, who was then 26 years old. Qui était alors âgé de 26 ans. Fin de citation. End quote. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, madame? Does this refresh your memory? Le fait que votre mariage est intervenu environ 6 mois après votre arrivée about 6 months after your arrival in Phnom Penh. Monsieur le Président. Mr. President. President, you may not proceed. Mr. Koplaskyot. L'accusation a la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. J'ai une President. Objection par rapport à cette question parce qu'il me semble que la citation qui a été faite concerne 6 mois de travail à un endroit spécifique. Ça ne veut pas dire 6 mois de travail à Phnom Penh. Ici, peut-être que c'est moins précis que le témoignage qu'on a eu par la suite ou que les informations supplémentaires, mais en tout cas, on fait référence au fait qu'elle travaillait au marché de Orusei. Et la phrase qui a été citée par l'avocate vient juste après cela. Où on dit, after 6 months of working there, they arranged for me to get married to Saturn. They arranged for me to get married to Saturn. Il n'est donc pas dit que c'était 6 mois après l'arrivée à Phnom Penh, mais 6 mois après avoir commencé à travailler au marché d'Orusei. Donc je crois que la question devrait être reformulée. Orusei market, and so I think the question needs to be rephrased. Il n'y a pas de souci. There's no problem. Madame la partie civile, est-ce que vous souvenez combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous êtes arrivé à Phnom Penh et le moment où vous avez travaillé au marché d'Orusei? Réponse, je ne m'en souviens pas. Sans vous souvenir exactement, est-ce que c'était longtemps après votre arrivée à Phnom Penh, ou est-ce que c'était peu de temps, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois après votre arrivée à Phnom Penh? With several places after I arrived at Phnom Penh when I got married. As I said, lorsque je suis arrivée à Phnom Penh, I cannot recall the exact date of my marriage. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de la date exacte de mon mariage. Et quand vous dites un peu longtemps pour vous, ça veut dire combien de temps? Est-ce que c'est plusieurs semaines? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est deux mois? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par un peu longtemps? Can you explain what you mean when you say a bit long? To my recollection and assumption, after I worked and took rest in Phnom Penh for 7 months, après avoir travaillé I got married. À Phnom Penh pendant 7 mois, six et après seven y months. Avoir séjourné, je me suis mariée 6 ou 7 mois après. Donc, je comprends votre réponse que vous vous êtes mariée 6 ou 7 mois from your answer that après, you got married 6 or 7 months after arriving in Phnom Penh, ce qui correspond effectivement à ce que vous avez dit dans vos déclarations précédentes, à savoir que vous situez votre mariage en 75. Which is that you got ma question maintenant que nous avons une tranche un peu plus définie et donc de savoir defined, est-ce que vous vous souvenez si la première fois que vous avez vu que Sampan, selon vos déclarations, c'est-à-dire à Wat Unalom, c'était avant ou après votre mariage? Wat Unalom Pagoda, was it before or after your marriage? It was before the marriage. Réponse, c'était avant le mariage. Et
la deuxième fois, vous dites avoir vu que Sampan a Borakula lors du procès de Uyun et Unim. Est-ce que vous pouvez le situer par rapport à votre mariage? Trial, would you say that was before or after your marriage? Monsieur le Président. Mr. President. President, you may now proceed, Mr. Co-Procureur. Le Président, Monsieur le Co-Procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection par rapport à la question en tant que telle, seulement la formulation, puisque tout à l'heure, l'avocate a pris la peine de lire le projet de transcription de l'audience d'hier, où Madame la partie civile avait dit qu'en réalité, elle avait rencontré, elle avait vu Kyu Sampan d'abord à Borakula et puis ensuite à Wat Unalom. Alors, cette fois-ci, on a encore une inversion, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Peut-être qu'il faudra refaire préciser, mais là, dans la question précédente, il était dit la première fois que vous l'avez vu, donc à Wat Unalom, et maintenant c'est la deuxième fois à Borakula. Donc je crois qu'il y a de nouveau une inversion, peut-être qu'il faudrait faire attention à cela. Oui, merci, c'est une erreur de ma part, donc je recommence ma question. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu M. Kyu Sampan, vous lui dites que vous l'avez vu pour la première fois à Wat Unalom. Non, à Borakula, pardon. Est-ce que vous pouvez le situer par rapport à votre mariage? Est-ce que c'était avant ou après votre mariage que vous avez vu pour la première fois M. Kyu Sampan au stade de Borakula? I met him before the marriage. Je l'ai rencontré avant le mariage. Long after that, I got married. Et bien après cela, je me suis mariée. I cannot recall how many months after that event. Je ne me souviens pas combien de mois se sont écoulés après mon mariage. Donc est-ce que je suis est-ce que je me trompe si je conclue de ce que vous avez dit que les deux fois vous auriez vu M. Kyu Sampan, c'était avant votre mariage. Est-ce que c'est bien exact? Were before your marriage. Is that correct? That is correct. The two times were before my marriage. Les deux fois où je l'ai vu, c'était avant mon mariage. Toujours pour essayer de situer dans le temps entre la première fois où vous avez vu M. Kyu Sampan et la deuxième fois où vous l'avez vu, est-ce que vous pouvez évaluer le temps qui s'est écoulé entre ces deux réunions, c'est-à-dire la première fois au stade de Borakula pour le procès de Uyun et Unim et la deuxième fois à la pagode de Unalom? Est-ce que vous vous souvenez combien de temps s'est écoulé entre ces deux événements? I cannot recall how much time passed. Je ne me souviens pas. At the first time that I met him, I was at Sa-cha, and the second time it was when I was already at Sa-to-tum-pung. However, I cannot recall how much time passed in between the two occasions. Je ne me souviens pas de combien de temps s'est écoulé entre ces deux événements. Je voudrais donc m'intéresser maintenant à ce premier événement. Monsieur le juge Lavergne vous a posé tout à l'heure quelques questions à ce sujet et je voudrais avoir quelques précisions complémentaires. Ma première question, donc cette réunion à la pagode Unalom au cours de laquelle vous dites qu'il s'agissait du procès de Uyun et Unim, qui vous a invité à cet endroit? Qui vous a dit d'assister à cette réunion ou ce procès? You may now proceed, lead co-lawyer for civil parties. Le co-avocat principal pour les parties civiles. Vous avez la parole, Maître Pekong. I think it is a confusing question. C'est une question qui porte à confusion, il me semble.
La question posée par le conseil for the first meeting, de la défense de Kyusampong pour la première réunion mentioned about the trial, and for the second time it was about the marriage. Pour la première réunion avec Kyusampong, elle a parlé du procès. Et la deuxième fois, c'était le mariage. Oui, effectivement, quand j'ai commencé sur l'erreur et je continue, donc je reprécise, dans votre première réunion, vous avez situé à Boraikila, sur le procès de Huyun et Hunim. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si, quelle est la personne qui... qui vous a invité à cette réunion, donc au stade de Boraikila, selon ce que vous avez indiqué dans vos déclarations à la barre. Who invited me? However, in the morning on that day, I was called to board a vehicle, and I was so scared at the time. Upon my arrival, I saw other people, so I felt released. I was not informed in advance before the meeting. Je n'avais pas été informé à l'avance avant la réunion à Boraikila. Et à quelle unité apparteniez-vous au moment de cette rencontre, de cette convocation? Of this meeting, of this summons. I was there at Psacha transporting goods. Pour transporter des marchandises. Qui était votre chef direct à l'époque? Who was your direct supervisor at that time? My direct supervisor at Sacha was Mon chef direct à Sacha était Ron. Correction, Mon. Correction, Mon. Étiez-vous la seule de votre unité à vous rendre à cette réunion? To go to that meeting? It was only me. Réponse. Ce n'était que moi. Et votre chef d'unité était-il présent également? And was your chief of unit also present? He was not there. No one went to the meeting. It was only me who was there. I was a bit frightened at first. However, upon my arrival, I saw other people. I started to feel relieved. Mais à mon arrivée, j'ai rencontré, j'ai trouvé d'autres personnes et je me suis sentie soulagée. Dans votre unité de récupération de butins de guerre. Est-ce que vous aviez un rôle particulier, une fonction particulière? Did you have a particular role or function? I was working in the group. I was simply a member of that group. Dans ce groupe, en tant que simple membre. He saw me firm and serious, so he would send me to any other places when he wanted. J'étais ferme et sérieuse, et il pouvait donc m'envoyer là où il le voulait. Et votre chef Moon vous a-t-il expliqué pourquoi vous étiez la seule à partir à cette réunion et pourquoi lui-même n'assistait pas à cette réunion? He did not say anything, and I did not ask him either.
et je ne lui ai pas upon non plus posé de question. Arrival of that vehicle, my name was called and I was asked to board the vehicle, so I did not ask any reasons. Et on m'a demandé d'embarquer dans ce véhicule. Je n'ai pas demandé pourquoi. Combien de temps a duré cette réunion ou ce procès à Bourakila? J'ai compris de votre déposition ce matin que vous êtes parti avant la fin, alors je vais peut-être reformuler ma question. Combien de temps êtes-vous resté sur place? Réponse. In the meeting, and then the announcement was directed j'étais to la réunion, the messengers to make speeches, et une annonce and I was sent out. At the time, Kyusum Pong was there discours, on the stage. L'on m'a demandé de sortir, I could only hear the speeches of the messengers. Then j'ai I entendu felt a tremble, so I was sent out of the venue. I was there puis perhaps j'ai commencé for à trembler, 1 hour, so I left. Et on m'a demandé de sortir de la salle. J'étais dans ce lieu pendant environ 1 heure, puis je suis partie. Cette première fois, vous avez vu que Sampan, comment avez-vous su qu'il s'agissait de Kyo Sampan à la tribune? How did you know that it was Kyo Sampan on the podium or on the stage? I could recognize him réponse. Well. Je pouvais très bien le reconnaître. Et avant cette première fois, Bourakila, vous l'avez vu auparavant? Bourakila, had you seen him before? I had never met him réponse. Before. Je ne l'ai jamais rencontré. And other people also told me that the person was Kyo Sampan. D'autres so I could recognize him before the time. I had never met him. J'ai donc pu le reconnaître. Avant cela, je ne l'avais jamais rencontré. Donc, si je comprends bien votre déposition, c'est parce que d'autres gens à côté de vous vous ont dit que c'était Kyo Sampan que vous avez compris qu'il s'agissait de Kyo Sampan, c'est ça? Near you told you that it was Kyo Sampan that you thought that the person was indeed Kyo Sampan, is that correct? I understood that I was familiar with his face. J'ai compris que son visage m'était familier. In my mind, I thought he was Kyo Sampan. Et en and the announcement was made. It was said the person a été was faite, Kyo Sampan in the announcement. La personne était Kyo Sampan dans l'annonce. Et c'était une annonce qui a été faite par qui? And who made that announcement? I did not know the person. Réponse, je ne connaissais there pas was la personne. A person who made an announcement, but c'est une personne qui a fait l'annonce, mais je ne connaissais pas cette personne. Et est-ce que cette personne a annoncé quel poste aurait occupé Kyo Sampan à ce moment-là? And did that person also announce the position Kyo Sampan held at that time? The person made an announcement that Om Kyo Sampan was an advisor, and I did not know what it meant by that. Je ne savais pas ce que cela voulait dire exactement. C'est le seul mot qui a été prononcé? Was that conseiller? The only word on n'a pas dit conseiller that de quoi? Was uttered? Advisor? And they did not say advisor in what area? No. That was the announcement. The announcement was on about other topics. Ensuite, l'annonce a poursuivi pour aborder d'autres sujets. J'ai compris de votre déposition ce matin que vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes this morning, that you did say that there were other persons qui auraient été présentes à ce stade de Bourakila who were present at et qui étaient à la tribune. Est-ce que ces personnes ont été également présentées? On the podium. Were those persons also introduced?
Yes, there was an introduction of those people, but I did not know them, and I forget their names. There were other people sitting at the podium. Sans vous souvenir de leur nom, est-ce que les fonctions ont été annoncées de ces personnes? Were their duties announced, that is the duties of those persons, the positions held by those persons? Je ne m'en souviens pas. Because, as I said at the time, I was unwell and I could only recall about him. Je ne me sentais pas bien et je ne me souviens que de lui. Vous êtes donc resté une heure dans cet endroit. So you stayed at that place for an hour. Préciser quand vous dites que c'était au stade de Boraïkila. Clarify this issue. When you say it was at the Boraïkila Stadium, was it at a place outside of the stadium, or it was at a place that was closed? It was in a hall, so people attended the meeting in that hall, and it was crowded. There were soldiers there as well. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit de cette salle vous étiez placé? Vous étiez à l'avant de la salle, vous étiez au milieu de la salle, vous étiez à l'arrière de la salle? At the front, in the middle, or at the back? I was in the middle and I could see him clearly. Et je le voyais très distinctement. Even when the messengers Même spoke, les messagers I could see parlé, them. Je However, les voir. After I felt unwell, I was après, je me suis senti mal, sent to a hospital. Et on m'a envoyé à l'hôpital. Et au sujet de ces messagers, vous ne vous souvenez plus de leurs noms, c'est ça? You no longer recall their names, is that correct? No, I cannot recall any of their names. Je ne me souviens d'aucun de leurs noms. Et au niveau de la configuration de la tribune, est-ce que ces deux messagers étaient sur la tribune ou est-ce qu'ils étaient placés à un autre endroit? Were those messengers on the platform, that is a podium, or they were somewhere else? They were standing at the front of the podium. Ils étaient debout devant, au devant du podium. Et c'est également au niveau de l'annonce que vous avez entendu qu'il s'agissait des messagers de Uyun et Unim. Also in the announcement that you heard that those persons were messengers of Unim and Uyun. Yes, they announced that the two were the messengers of Unim and Huyun, and without such announcement, I would not have known about them. Sans cela, je n'aurais pas su. Et est-ce que vous savez, en dehors de vous qui étiez de votre unité, apart from yourself, de l'unité de récupération de bulletin de guerre, est-ce que vous savez d'où venaient les autres personnes qui auraient été présentes ce jour-là? Where the other persons present at that meeting came from? Participants in the event. Les participants à l'événement were from other areas. I did not know d'autres endroits. Which units they came from. I only je knew about my unit, that is the war sports unit. Qui concernait mon unité, l'unité des butins de guerre. Si je comprends bien, aucune annonce n'a été faite If sur l'origine des participants. No announcement was made as regards the origins of the participants. Is that correct? That is correct. There were no such announcements. Réponse est exacte. Il n'y a pas eu de telle annonce. De votre déposition ce matin, j'ai compris From que your statement this les morning,
deux messagers auraient évoqué les biographies de Uyun et Unim. Quand vous dites qu'ils ont évoqué la biographie, est-ce que vous pouvez être plus précise? Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce dont vous vous souvenez? Can you therefore tell the chamber what you recall? One of the messengers l'un des messagers said that a dit he mistreated the people. Qu'il maltraitait les gens. That's all I could understand about c'est it. Tout ce que j'ai However, compris he spoke about propos. Other things, but I cannot recall them now. Mais je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Je voudrais maintenant, me pencher sur la deuxième fois, vous dites avoir vu que Sampan à la pagode au Nalam. Même question que précédemment, qui vous a invité à cette réunion? Same question as the one I asked before. Who invited you to that meeting? At my place, there c'était is Pan when I was at the Totempung market. Au marché de Totempung. And there were people from other spearheads who attended that assembly in Unalam Pagoda. There were hundreds of people. Il y avait des centaines de personnes. Et cette fois-ci, toutes les personnes de votre unité étaient présentes occasion, à cette réunion, ou est-ce que vous étiez la seule à y aller present, de votre unité? Only one from your unit who attended that meeting? In each spearhead, about 10 people were instructed to attend the meeting. À qui l'on avait donné l'instruction au sein de chaque unité de pointe d'être présent. Et comme je vous l'ai dit, la salle était comble. Est-ce que vous pouvez décrire l'endroit, vous dites que dans la pagode, comment était organisée la salle? The place, the pagoda, how it was arranged. At the lower level of la réunion a se temple. Tenait en bas d'un temple. As for the arrangement, there were chairs quant and à la tables disposition, il y avait des which tables filled des chaises the hall. There is the hall underneath the temple. La salle the temple was a two-story temple, so the meeting was held on the ground, on the lower level. C'est-à-dire sur la partie basse. Et combien d'orateurs y a-t-il eu ce jour-là? J'ai compris que cette réunion s'était déroulée sur toute la journée. Combien de personnes ont pris la parole? Went on for the whole day. How many people took the floor? I don't understand when you use the Khmer word of Vyakmun. Je ne comprends pas lorsqu'on utilise encore Khmer what happened is that he took the floor and other people also took the floor and since there were minority groups who were attending that one day assembly, then so there were interpreters who would interpret his speech into the minority languages, la and I seem to notice that he took the floor the most. J'ai remarqué que c'est lui qui a le plus pris la parole. Et quand vous dites que d'autres personnes étaient présentes, est-ce and que vous vous souvenez present, si ces personnes ont été présentées? Whether those persons were introduced, et à défaut de vous souvenir de leur nom, est-ce que vous savez quelles étaient leurs fonctions? If you do not know their name, can you at least tell the chamber what their positions were? Participants were chiefs from various spearheads. Les participants étaient les chefs de différentes unités de pointe. There was no one else. Lui et puis il y avait personne d'autre. Et votre chef Pan était donc présent, and je suppose. Your chief Tim was therefore present. Is that correct? Got me and Pan got me and Omon.
Pan was present and Ong Mon was also present at the assembly. Présent. However, they did not take the floor. They were sitting there and listened. Ils assistaient simplement. Je voudrais maintenant m'intéresser à un troisième point que vous avez abordé avec Monsieur le coprocureur. In answer to questions put to you by the co-prosecutor. Vous avez évoqué votre passage à la pagode Shredom à Cham Chau. Je n'ai pas bien compris dans quelles circonstances vous êtes arrivé à la pagode de Shredom. Under what circumstances you arrived at the Shredom pagoda? Shredom? Cheidom. Donc hier à l'audience après 15h51 et 41 secondes, vous avez indiqué que vous vous êtes enfui de Samrang Tong pour aller à la pagode de Shredom. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Vous vous êtes enfui. Did I properly understand your testimony? Did you flee? I ran from Samrang Tong district. J'ai couru du district où j'ai fui le district de Samrang Tong. Because previously I was at the Slang Pagoda and the leader was arrested and we from Slang Pagoda were removed to live in a cooperative in Samrang Tong district. Envoyé vivre dans une coopérative dans le district de Samrang Tong. When we were there, we were split into to live in various villages, and there were four or five of us for each village. And one day, some of us disappeared from a nearby village since they were called during the night time. And later on, I heard that people kept disappearing. We were afraid that we would be killed by the cooperatives. Then we decided to run to Chea Dom Pagoda. C'est là que nous avons décidé de prendre la fuite pour aller à la pagode de Chea Dom. And I stated yesterday that Chea Dom Pagoda was under the supervision of Kyo Sampol. But when I was on the ground at the pagoda, I did not see him there. Je ne l'ai pas vu là-bas. I stayed there for 2 weeks, but I did not see him. Mais je ne l'ai pas vu. And I only heard other people who said that the pagoda was under his supervision. I remained living in the pagoda for a fortnight, then I was transferred to Pignol along with other people, and there were about 10 of us at the time. À peu près une dizaine à ce moment-là. Ma première question est de savoir quel était le type de travail à la pagode de Chea Dom. What was the kind of work done at the Chea Dom pagoda? Pagoda were sent to work in a rice field, while others were assigned to grow a vegetable. And I was amongst the group who was sent to grow vegetable in front of the pagoda. Qui vous a indiqué que cette pagode où on cultivait des légumes? That pagoda was meant for cultivating vegetables, and that it was under the supervision of Kyo Sampan. Person who was in charge in the area, la personne qui était responsable and, de who cet only endroit, had one arm, qui n'avait was said about this, although I cannot recall his name. L'a dit, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. And it was them who actually encouraged us to flee. C'était eux qui nous ont encouragés à fuir. Because on the day of the New Year, we came to visit the pagoda, and we met with those comrades, and they said that if our life over there was difficult, then we should run and join them in living in the pagoda. And we did that. C'est ce que nous avons fait. We ran from Samrang Tong district nous and we arrived at Chea Dom Pagoda and we left the area at 12 and cet endroit by dawn we arrived. Et nous sommes à minuit plutôt et nous sommes arrivés à l'aube.
Donc ce sont, si j'ai bien compris, les gens, c'est le chef de la pagode de Chaidon qui vous a encouragé à fuir l'endroit où vous étiez. To flee to where you were. C'est ce que je dois comprendre, c'est le chef ou c'est quelqu'un d'autre? I should understand? Was it the chief or someone else? It was the chief who encouraged us to flee. Le chef qui nous a encouragé à prendre la fuite. There, lorsque nous sommes arrivés là-bas, next morning, two messengers came le to ask him whether lui demander he saw a group of about si 10 women through, who ran away. And he actually joked with those messengers that if you found et about the 10 women, how could you take si them all back? Vous and at that time, femmes, we were hiding in the house of that chief. Les ramener? À ce moment-là, nous nous cachions dans la maison du chef. And he actually told the messengers that he did not see any of us. Qu'il ne nous avait pas vus. Et lorsque vous avez eu cette discussion avant de and vous enfuir le jour où vous avez été pour le nouvel an fled, à cette pagode day, et que ce chef vous a conseillé de vous enfuir, and vous a-t-il dit que les conditions au sein de cette pagode étaient meilleures que l'endroit où vous étiez? In that pagoda were better than they were where you were staying before? Yes, he said that if we came to live in a pagoda, then there was no killing and that we would be received and that we should not feel scared. And that's why we decided to flee. Je voudrais maintenant revenir sur les documents que nous Now avons like à disposition pour votre constitution de partie civile. As part of your nous avons un premier formulaire d'information de victime du 14 octobre 2009. C'est le document E319/45.4.8, ERN en Khmer 01-04-9379 et ERN en anglais 01-39-644. C'est un document qui est en date du 14 octobre 2009. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez que c'est en 2009 que vous avez rempli un formulaire pour participer au présent procès? Yes, I remember that I filled in just such an application, but I cannot recall the date. Mais je ne me souviens pas de la date. Vous, nous avons également un deuxième formulaire. We also have a second form. C'est un formulaire d'information supplémentaire. It is a supplementary information qui, cette fois-ci, form. Est en date du 29 juin 2013. June, donc c'est le, toujours le même document, E319/45.8. Cette fois-ci, ERN en Khmer 01-04-9-384 et ERN en anglais 01-39-647. Il n'y a pas d'ERN en français. There is no ERN in nous avons ce document, on vous fait... We have this document. Vous donnez des informations complémentaires you are providing supplementary sur votre histoire et c'est en date du 29 juin 2013. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce Does que vous vous souvenez qu'en 2013, vous avez donné des informations complémentaires à fournir à ce tribunal? Supplementary information to be tendered before this tribunal. I cannot recall whether I made that supplementary information. Je ne me souviens pas si j'ai fait cette demande ou cette, si j'ai rempli ce formulaire d'information supplémentaire. Je ne m'en souviens pas. L'attention.
My apologies, Mr. President. Monsieur le Président, mes excuses. I'd like you to instruct the Council to provide the EN number again. President, Council, please provide the EN number again. Veuillez à nouveau redonner les ERN, s'il vous plaît, maître. Pas de souci. No problem with that. J'ai fait une erreur. Le Khmer, c'est le 01049384. Et en anglais, c'est le 01139647. Et je précise que la signature de la partie civile se trouve à l'URN suivant en Khmer, qui se termine par 85. Following ERN in Khmer, en tout cas, votre conseil nous a fourni ces déclarations complémentaires en 2013. Et nous avons un troisième formulaire d'information supplémentaire, cette fois-ci en date du 28 mai 2014. Et c'est le document E3/5010. Donc 5010A. So 5010. Ma première question est de savoir pourquoi. Alors que vous avez fait une première déclaration Whereas en 2009, une déclaration complémentaire in 2009, en 2013, pourquoi form in 2013, la première fois vous évoquez Khieu Sampan n'intervient que en mai 2014 for the first time, only in May 2014. That is May 2014. Did not know how many times that I provided information. Je ne sais pas combien Maybe de fois I did j'ai not donné mention everything during my initial application, and then I provided supplementary information later on. But I cannot recall the details. J'ai donné des informations supplémentaires par la suite, mais je ne me souviens pas des détails. Est-ce que pour vous, à l'époque, la rencontre avec un dirigeant, une personne comme Khieu Sampan, c'était quelque chose de rare ou c'était quelque chose de fréquent? Someone like Khieu Sampan, was that something rather rare? C'était une occasion rare. Not many leaders who would come to visit us, and only when there was a special occasion, then we could see them. Donc ma question n'en est que plus importante dans ce contexte-là. My question is all the more important in that n'avez-vous context. Pas évoqué Why cette rencontre did you not avec refer Khieu Sampan, to that meeting dites, with Khieu Sampan, qu'il aurait parlé, in respect of which il aurait incité you said les femmes à se marier, les femmes de 19 encouraged women et plus à se marier. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé lorsque vous avez évoqué votre mariage dans vos déclarations antérieures à 2014 marriage in your prior statements, that is prior to 2014. President, lead co-lawyer, possible parties, you have the floor. Merci, je m'excuse d'interrompre ma consoeur, juste une précision. I regret having to interrupt de se repérer dans les documents. My colleague. It is somewhat difficult to find ourselves in document E319/45.4.8, that is the supplementary information form dated June 2013, which is quoted by our colleague. It's a document that was from the Office of Investigating Judges and is from case number 4. And indiquer qu'il y a une séquence de documents, mais que tous is not part of it, but this is ne viennent pas de ce dossier, que certains ont été communiqués and par some of these documents les bureaux du coprocureur et qu'ils proviennent the du dossier numéro OCP, 4 avec and they are from des suspects naturellement qui sont mis en examen
qui sont différents, simplement pour que la Chambre soit informée de la... I just wanted to inform the chamber of the sequence in which the different documents were provided. We have the victim's information sheet for the second trial segment. Then we have the second document, which was disclosed by the prosecutors as part of case 04. Then we have a document dated 2014, and it's now provided for the purposes of the second trial. I'm being told that this counsel for the defense, I'm being told that the second document is E/50/10B, and that's the second document. My question remains the same. As part of the supplementary information that you provided, et surtout de votre première, and in particular, premier formulaire d'information de victime, pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce que vous indiquez comme être un événement particulièrement rare, particularly rare event, vous avez indiqué que vous ne rencontriez pas des dirigeants régulièrement. Pourquoi est-ce que c'est simplement en mai 2014 que vous avez évoqué regularly. Ce point pour la première Why fois was it only in May 2014 that you referred to that meeting for the first time? I do not know what to say. Je ne sais pas quoi vous dire. Monsieur le Président, selon mes calculs, entre les questions de Monsieur le Juge Laverne et les questions taking into account the questions de Madame la Juge Fentz, il nous reste encore quelques minutes après la pause déjeuner. Donc, we still have a si few voulez, minutes je peux m'arrêter là et je terminerai au retour. Lunch break, if you would like. I would like to end here and continue after the lunch break. How many minutes is a few minutes? De combien de minutes, à combien de minutes pensez-vous exactement? Selon mes calculs, nous avons à peu près 15 minutes. According to my calculations, we have at the very least 15 minutes. And as you may continue, counsel. Vous pouvez poursuivre, maître. Donc vous indiquez que vous ne savez pas le so you le are indicating that l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'au cours de cette déposition, you, vous avez indiqué là cette fois-ci pour la première fois devant la Chambre time, que vous auriez également rencontré Ieng Sary et que vous auriez également rencontré Pol Pot. And you had also met Pol Pot. En plus de Khieu Samphan que vous avez mentionné pour la première fois en mai 2014. You Donc, mentioned in May 2014 for the first time. Demeure la même. So my question remains Pourquoi the same. Pourquoi est-ce que vous évoquez ces rencontres pour la première fois à la barre aujourd'hui en 2016 alors que, comme vous l'avez indiqué, c'était un événement rare today, et que vous ne l'avez pas mentionné dans votre première information de victime. And why did you not mention them in the first victim information that you provided? I Réponse. Said about that, but I cannot recall the date of J'en ai parlé, the application forms mais that je ne I me souviens pas de la date à laquelle j'ai rempli le formulaire I recalled, what de happened. Demande de constitution de partie civile. Dans votre premier formulaire de partie civile, In your first que j'ai mentionné tout à l'heure, donc à l'ERN, en Khmer 01049379, ERN en anglais 01139644, et les pages suivantes, enfin c'est le résumé essentiel. Dans ce document, donc E319-45.4.8, So in this document, E319/45, vous ne parlez ni de Khieu Samphan, ni de Ieng Sary, ni de Pol Pot. D'ailleurs,
dans ce formulaire, moreover, ce premier formulaire, vous ne parlez pas non plus de votre interrogatoire dans une salle où il y aurait eu des armes et des outils et au cours desquels on vous aurait posé des questions sur vos affiliations. Vous n'évoquez absolument pas ce point. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous ne l'avez pas évoqué au cours de la première fois où vous avez demandé à être admise comme partie civile? Le président, madame de la partie civile, veuillez patienter. La co-avocate principale pour le parti civil a la parole. Merci, monsieur le président. Ce n'est pas une objection et je pense que la partie civile est parfaitement capable de répondre par elle-même. Mais juste une information pour la chambre des parties publiques, pour rappeler que ces formulaires d'information ont en général été collectés par des organisations non gouvernementales, par des ONG. Il ne s'agissait pas d'officiers de la Cour, d'enquêteurs de la Cour, et que donc d'une ONG à l'autre, les questions variaient, le contenu des constitutions de partis civils variaient. Et je crois que la Chambre est désormais très bien informée sur la disparité qui existe entre ces constitutions de partis civils en fonction des ONG qui sont allées recueillir les informations et en fonction des informations dont disposaient les ONG au moment où elles ont rencontré les victimes. Donc, je sais que la Chambre est au courant de tout cela et j'espère qu'elle aura en tête ces informations quand elle entendra la réponse de la partie civile qui, encore une fois, je pense, est parfaitement capable d'expliquer par elle-même pourquoi la rencontre avec Kyusampan et d'autres faits n'ont pas été mentionnés par l'ONG qui a pris sa constitution de partie civile en 2009. The others was not mentioned in 2009. J'entends les explications et ce n'est pas la première fois que la partie civile nous explique qu'il y a des problèmes avec des formulaires. En l'occurrence, la plupart du temps, les problèmes avec les formulaires qu'on relevait, c'était lorsqu'il s'agissait de résumés faits par Wizou. Là, en l'occurrence, c'est une déclaration qui a été signée par la partie civile, donc ma question en demeure d'autant plus adéquate que, y compris dans la déclaration supplémentaire de 2014. Supplementary information là, il n'y a pas de problème d'ONG, a priori, c'est l'avocat de la partie civile qui l'a aidé à remplir cette déclaration supplémentaire. Ce jour-là, en mai 2014, la partie civile n'a pas non plus évoqué ni Yang Sari, ni Pol Pot. Donc, ma question, madame la partie civile, pourquoi que ce soit lors de votre premier formulaire ou lors de votre dernière information, formulaire d'information complémentaire de mai 2014, pourquoi vous n'avez pas parlé de ces rencontres avec les autres dirigeants du Kampuchea démocratique? Regarding the filling of the application form, actually I filled in on a number of occasions, but I didn't know who actually were responsible for each occasion since I filled in quite a long time ago. Les personnes responsables de ce processus, étant donné que j'ai rempli ce formulaire il y a longtemps. La raison pour laquelle je vous pose toutes ces questions, madame la partie civile, c'est qu'aujourd'hui, à la barre, et également une première fois en mai 2014, vous avez apporté beaucoup d'éléments nouveaux et se pose la question du caractère correct, disons, de vos souvenirs. Et pourquoi je vous dis ça, par exemple, vous avez indiqué ce matin, répondant à M. le juge Lavergne, que lors de la visite de Pol Pot, il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait pas de garde du corps, alors que hier, à 15h57 et une seconde, vous avez indiqué que vous n'avez vu personne d'autre accompagnant Pol Pot, hormis ses gardes du corps. Except his bodyguards dans accompanying Pol Pot. Vos souvenirs, dans les rencontres successives avec que ce soit Yang Sari, que Sampan, Pol Pot, est-ce que vous ne pensez pas que le temps qui s'est écoulé ne vous permet pas d'avoir un souvenir précis de ce qui s'est passé
extremely clear memories. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ces éléments lors de votre premier formulaire, votre première déclaration de victime, qui était pourtant en 2009 et plus proche des faits. In 2009, which was closer to the events. Gino Brigna. Monsieur le Président, l'accusation a la parole. Mr. President, je pense qu'il y a une très longue question dont l'origine est simplement une contradiction que l'avocate pense pouvoir constater concernant la visite de Pol Pot. Je pense qu'il faudrait la séparer en plusieurs morceaux. Et d'abord, qu'il nous explique peut-être si effectivement il y avait des gardes du corps ou pas avec Pol Pot. De là à tirer de cette éventuelle contradiction une grande conclusion sur l'état des souvenirs de madame, je crois qu'il y a un pas qui ne devait pas être franchi. Les déclarations de la partie civile ont été très claires. Une autre question que je pense que la défense aurait pu poser, puisqu'elle s'attarde sur ces formulaires, c'est de savoir si la personne, c'est de savoir si la partie civile sait lire ou non. Si elle sait lire, si elle sait écrire, c'est une question qui n'a pas été posée. Et je crois qu'il est important pour comprendre si la personne a bien pu non pas signé, parce qu'on a parlé de signature, mais simplement à poser ça, son empreinte digitale. Je crois que ce serait utile au débat de savoir si la personne sait lire ou écrire, et également de séparer les questions qui ont été posées par la défense. Je trouve cette intervention particulièrement déplacée, parce que ce n'est pas une objection, c'est une manière de plaider. À un moment où je souligne différentes contradictions et où je pose des questions qui sont légitimes en matière de défense, c'est normal en tant qu'avocat de Kyosampan. Je me pose la question lorsque une partie civile qui n'a jamais mentionné auparavant dans sa déclaration de 2009 la présence ou sa rencontre avec Kyosampan arrive tout d'un coup en mai 2014, juste après les nouvelles charges, enfin la définition du procès 02/2 pour mentionner sa rencontre avec Kyosampan. C'est normal que je pose des questions. Ce n'est pas à M. le procureur ni aux avocats des parties civiles de répondre à la place de la partie civile. La partie civile, elle a la possibilité de s'exprimer. Je lui pose des questions qui sont tout à fait cohérentes. Je ne vois pas pourquoi on voudrait que, maintenant, aujourd'hui, je pose des questions différentes de celles que j'ai envie de poser. One would ask me to ask different questions than the ones that I wish to ask. I don't think anybody is trying to prevent you. I just from anything. I just wonder if the civil party has followed any of what happened in the last 7 or 8 minutes. Tout simplement, so let me try to tailor it and by all means follow up on that if you feel this is not enough. Counselor has pointed out that you haven't mentioned the meetings with Khoe Samphan until 2014. L'avocat de la défense voudrait savoir est-ce que vous n'avez jamais mentionné les réunions avec Kyosampan jusqu'en 2014. La question que je vous pose est celle de savoir si vous êtes sûr que ces réunions ont effectivement eu lieu. I did meet him on two occasions. Réponse : je l'ai rencontré à deux reprises. And can you give us a reason? Why you didn't mention that pouvez-vous nous donner une raison pour laquelle vous n'en avez pas parlé avant 2014? Si vous, vous n'avez pas de raison, dites que vous n'en avez pas. Si oui, donnez-nous les raisons. I did not know who came to me with the application form. Je ne connaissais pas les personnes qui sont venues me rencontrer avec les formulaires. Tout ce que je sais, c'est lorsque mon avocat est venu m'aider à remplir ces formulaires. Monsieur Schwenz, la question est la suivante. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas mentionné la visite ou la rencontre avec Khoe Samphan avant 2014, pardon? I
I did not know who helped me with the application form. Je ne connaissais pas la personne. If I were the one who filled in, then I should have included such information. But si I cannot recall who filled that in. And the only thing that I recall is I did it with my lawyer. Tout ce dont je me souviens, c'est and que je l'ai fait avec mon remember avocat. Today? I'm just asking, do you remember if you told your lawyer that you met Ke Sampang? Or was this never an issue? Was this never mentioned until 2014? Et vous n'en avez pas parlé avant 2014. In 2014, when I worked with my lawyer, I told my lawyer about it. Lorsque je travaillais avec mon previously, avocat, I did not know. Maybe I have forgotten, or maybe I have said about it. I cannot say. Peut-être que j'ai oublié. J'ai peut-être oublié que j'en avais parlé. So the long and short, you don't know why you didn't mention it. Pour couper court, vous before 2014, ne savez pas pourquoi vous n'en avez pas parlé avant 2014. Vous ne savez même pas si vous avez mentionné ce fait. Est-ce le fin mot de l'histoire? Yes. I did not know whether I have mentioned it or not. Je ne sais pas si je l'ai mentionné ou non. Un dernier point donc qui découle de vos réponses précédentes. My last point, which flows from your preceding answers. Vous avez indiqué que, en tout cas, vous l'avez mentionné à votre avocat lors donc de votre déclaration de mai 2014. During your May 2014. Mais ce n'est que cette fois-ci à l'audience pour la première fois que vous avez évoqué. Une deuxième réunion à laquelle vous auriez vu que Sampan au stade de Boréquila. Ça n'apparaît pas non plus dans votre formulaire de mai 2014. Et comme vous situez, je réinsiste en disant est-ce que vous êtes sûr de vos souvenirs sur ces réunions. C'est un point qui a été abordé par M. Juge Lavergne. Nous avons vu que vous situez le procès de Ouyoun et Ounim en 1975. Or, nous avons au dossier deux listes. Et je m'intéresse tout d'abord à la liste S21E3-84-63 où apparaît au numéro 2 de cette liste le nom de Ounim comme ayant été arrêté à S21, en tout cas entré à S21 le 10 avril 1977. Et nous avons également un document des co-juges d'instruction, document E3-10-604, où Ounim apparaît au numéro 1959 et où il est indiqué qu'il était ministre de la propagande avant son arrestation. Donc, la probabilité d'un procès de Ounim avant fin 75 paraît plus qu'improbable. Donc je maintiens, et ce sera ma dernière question, Madame la partie civile, êtes-vous sûre que vos souvenirs sont fidèles et que vous n'avez pas une confusion dans la manière dont vous vous souvenez des événements? I cannot recall for certainty whether it happened in 1975 or 1976. As for the day and the month, I cannot recall it at all. And on that day, I only saw messengers, but not Ounim and Ouyoun. Uniquement les messagers et non pas Ounim et Ouyoun. Effectivement, j'ai bien compris que vous n'aviez pas le souvenir de la date, mais vous aviez dit à plusieurs reprises que ces réunions se sont passées en 1975. Vous avez situé votre mariage avant fin 1975 et vous avez situé ces deux réunions avant votre mariage. Donc même sans vous souvenir des dates, vous avez donné des repères de temps qui posent quand même problème par rapport au document que je viens de vous citer. Monsieur le Président. Mr. President. Co-procureur, you have the floor. Le coprocureur, vous avez la parole. Je ne me pose pas la question, mais je crois qu'il y a un problème avec le premier document qui a été cité.
Il ne me semble pas que ce soit le document où, au numéro 2, on trouve le nom de Hunim. Donc, si c'est bien la liste S21E3-8463, numéro 2, il s'agit en fait d'une liste de prisonniers écrasés le 27 mai 78. Au numéro 2, on trouve un dénommé Sous Sadin. Donc j'imagine que la défense pourra corriger et nous donner la bonne référence où le nom de Hunim apparaît. Merci. Moi, le document que j'ai imprimé de Zilab est le document E3-8463, ERN en français 01302439, ERN en Khmer 00015997, et j'ai dit ERN en français, c'est le ERN en anglais, parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc, sur la liste numéro 2 de ce document qui vient de Zilab, 84-63, il y a, en tout état de cause, le nom de Hunim. Et pour le caractère complet des débats, je rappelle que dans le document E3-1502, un document FBIS, on évoque un communiqué de presse annoncé par Hunim le 14 avril 1976. Donc, en tout état de cause, ma question demeure la même sur le fait que Madame la partie civile a situé ces deux réunions avant fin 75, puisque avant son mariage. Les co-avocats principaux pour les parties civiles. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Une observation, je ne me pose pas la question, mais pour que les informations soient complètes, il me semble que lorsque le juge Laverne a interrogé la partie civile ce matin, celle-ci a situé les réunions fin 1975 ou début 1976. Donc, elle a mentionné l'année 1976 en début de matinée, et puis sur question insistante de notre consoeur, elle a finalement réussi à situer les réunions en 1975. Je crois que nous sommes tous d'accord autour de cette salle pour dire que la partie civile confuse sur les dates. Elle a indiqué au juge Laverne que c'était fin 1975 76 comme une date possible des réunions aujourd'hui, ce matin même, en réponse aux questions du juge Laverne. Hello. Counsel, it is now it's a better time for the break. Maître, the le chamber moment will take the break now and resume at 1:30 this afternoon to continue la our pause proceedings. La chambre va suspendre les débats pour reprendre security personnel, à 13:30. To take here some point to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings dans this la afternoon salle before 1:30. Veuillez le ramener pour la reprise des débats à 13:30. Suspension d'audience.